Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 21e épisode de nos aventures sur Stardew Valley. Donc, oh, il y a les cocottes qui sortent. Vite, on va aller faire la petite caresse. On en a 50. Voilà. On va récupérer tout ça. Les petits maillots. Impeccable. On va récupérer les œufs. Alors, bien sûr, comme d'habitude, les loulous, vous avez été nombreux à me faire plein de commentaires. Alors, je les ai enfin, presque sous les yeux. Je vais aller m'ouvrir la page avec les choses les plus pertinentes que j'ai pu voir. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Les quatre maillots sont lancés. On va pouvoir aussi arroser tout ça. Du coup, je peux revendre par contre celle-ci. Voilà. Alors, et on va arroser ça. Alors, on m'a dit, fais un clic droit. Fais un clic prolongé sur tes outils. Est-ce que ça va partir de l'inventaire, peut-être? Non. Un clic prolongé pour voir les infos. Alors, vous êtes deux à m'avoir dit ça. Je vois pas le résultat. Pour voir la différence, en fait, pour voir les nouvelles capacités, entre guillemets, de l'arrosoir. Moi, je veux bien, hein, mais ça ne marche pas vraiment. Si je fais ça, il se passe clairement rien. Si je fais ça, il se passe rien non plus. Hein. Bon, je sais pas où vous avez vu ça, les filles, hein, parce que c'est Sheden et Xenocly qui m'ont dit de faire ça, mais ça a pas l'air de bien fonctionner, votre truc. Hein. Donc, on va arroser nos pieds de... Là. Alors, cela a été fait déjà. Ok, tac tac, là c'est bon. On va faire ici, ici. Alors apparemment je pourrais pas récolter la totalité de mes pieds que j'avais plantés la dernière fois parce que je me suis plus ou moins bloqué tout seul. Bon, bah, on verra bien. Hein. Alors, on m'a dit aussi ne laisse pas mourir ceci ou celui-là, je ne sais plus. Parce que ça rapporte vraiment beaucoup. Alors je vous écoute. On m'a conseillé aussi de cultiver certaines choses bien précises. Alors je crois les... Je vais me remettre après les commentaires sous les yeux là parce que j'ai pas tout en tête. Mais je crois que c'était les citrouilles et autre chose. Et l'amarante peut-être. Alors. On va regarder ça tranquillement après ensemble. Vous m'avez donné plein d'astuces. Vous m'avez dit aussi de pas trop insister sur la mine, que ce serait plutôt en hiver, parce qu'apparemment en hiver, on n'a vraiment rien à planter au niveau du jeu. Donc du coup, on va s'atteler plutôt à s'occuper de notre champ et de nos cultures. Je vais reprendre un peu de... Ah! Sérieusement, on peut faire ça? Alors attendez. Ah ouais, d'accord, mais il faut le savoir, ça se devine pas ça en fait. Alors forcément, oui, ça change tout. Ah, par contre, on peut pas l'orienter côté. Ah si. D'accord, je comprends mieux le délire. Bon, c'est un petit peu long à s'activer, mais d'accord. Du coup, on consomme moins de stamina, forcément. Ça semble logique. Ouais, du coup, je vais quand même les continuer ici. Voilà. Alors, on va pouvoir ramasser nos trucs. Alors, on m'a dit, ne fais pas forcément tout le temps de la du maïs avec les bocaux. Essaye d'autres choses. On va essayer d'autres choses. Comme ça, ça et ça, on vend. On va regarder aussi notre courrier. Alors, bonjour Soma, j'aimerais offrir à mes vaches une friandise très spéciale. Elles sont si gentilles mais très gourmandes. Pourrais-tu m'apporter de l'amarante? Elles adorent ça, merci Marnie. De l'amarante. Bah, justement, on a parlé, on m'avait dit justement que l'amarante et les citrouilles serviraient pour des quêtes. Eh bien, on en a l'exemple flagrant et concret. Alors, de l'amarante. Ah mince!
Je crois pas en avoir. Gardez. Alors, on va se faire un petit piment. Je vérifie, hein, mais ça me parle pas. D'accord. On va aller mettre ça au bocal. Voili voilou. On va aller voir la petite grotte ici. Il n'y a rien. Ok, et on va aller en ville. Si j'ai rien oublié de faire ici. La sève, ça n'a pas l'air prêt. Normalement, j'ai rien oublié d'arroser. Alors, je vais reprendre justement la page de vos commentaires. Alors, donc, dans le désordre, je vais commencer par Madame Shaden, qui s'est catastrophée du fait que j'ai acheté une épée. Bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Je fais ce que je veux. Avec mes cheveux, ouais, voilà. Sinon, donc faire le clic prolongé avec l'arrosoir. Donc ça, c'est testé. Ah, ici, on a ceci à récupérer. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on m'a dit... voilà, donc c'est Shaden qui m'a dit, hein, les aménagements, tu les feras en hiver quand tu n'auras rien à planter. Donc c'est valable du coup aussi pour la mine. Pour le farm du charbon, tu es sur les... Tu y es sur les... Les trucs de poussière, les petites boules noires qui sortent partout. Je me rappelais plus de cette partie-là du commentaire. Et petit tip subtil, quand tu passes les items de ton inventaire avec ton coffre, ou inversement, une mage clic te permet de prendre la moitié du stack, ça fait gagner du temps. Ah, et les paratonnerres à faire rapidement... Ça affile un item très utile les jours d'orage qui arrivent souvent en automne. D'accord, alors le paratonnerre, tiens, on va regarder ce qu'il faut pour faire ça. Parce que je crois que c'est vrai que... Lingot de fer, quartz raffiné et aile de chauve-souris. Alors effectivement, je dois en avoir. Donc en fait, je crafte un paratonnerre et je le mets n'importe où, quoi. Donc ensuite, j'ai eu aussi Xenocly qui m'a donné des astuces. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Xenocly? Donc, le clic prolongé sur l'arrosoir. Elle m'a... Voilà. Arrose la tige que tu veux laisser mourir, elle vaut cher. Pour tes raisins, l'arrosage va te poser un souci. Bon, ça, on verra bien. Plante des citrouilles, voilà. Elles valent cher à la revente, ainsi que l'amarante. Et en plus, on t'en demandera dans les quêtes. Donc, on va aller voir ça. On a 3000. Je sais plus trop ce que j'ai planté, moi, depuis. Alors, recherche lingot de fer. Ça, on va prendre. C'est Clint. Ok. Fermé le mercredi. Ça marche. Alors, je vais aller chercher vite fait un lingot de fer. J'ai eu un biface préhistorique. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Un artefact à première vue que j'ai déjà déposé au musée. Du coup, je sais pas trop ce que je vais en faire. Un lingot de fer. J'en ai qu'un. Hein. Je n'ai plus de charbon. Alors je pourrais faire cramer du bois. Hein. Forcément. Un petit peu de charbon, histoire de relancer bah, du minerai. Hein. Voilà. On va aller voir Clint pour rendre notre petite quête. Et ensuite, on va essayer de trouver Léa, bien sûr, et d'avancer aussi avec elle. On va aller sur la plage. Alors, Clint, je crois que Clint, c'est le maire. Hein. J'ai un gros doute là d'un coup. Ah non, c'est le forgeron, pardon. On va aller voir de suite. Ouais, c'est bon. Laisse-moi tranquille, la vieille. Je fais ce que je veux. Non mais oh. Si je veux fouiller les poubelles, je fouille les poubelles. Ça va me saouler, non?
Ah, trop tard. Il est déjà 17h en fait. Je parle tellement que je vois pas le temps passer, j'ai rien fait du coup. On va aller sur la plage. Et puis bah voilà, on n'aura pas fait grand chose aujourd'hui. Alors sur la plage, je suis pas sûr qu'on récupère encore souvent des choses. Ah, quoique. Voilà, il n'y a rien. Et là, on a juste un petit corail. Eh ben, ça fera un petit peu d'argent, hein. Écoutez-moi, ce sera déjà pas mal. Alors oui, cette histoire de poule aussi, parce que je crois que c'est Sheden qui m'avait dit, t'as acheté 4 poules, mais t'as acheté que des blanches. Alors je veux bien, hein, j'ai refait le test hors caméra sur ma journée, sur la journée actuelle après mon épisode précédent. Moi, je suis désolé quand j'achète des poules. Chez Robin, non pas chez Robin, chez la marchande, là, je sais plus son nom. Moi, elle me propose que des blanches. Alors, il y a le logo d'une poule blanche et d'une poule marron. Chaque fois que je clique, hein, j'ai pas de choix d'en choisir l'une ou l'autre. Et je récupère tout le temps une blanche. Donc, s'il y a une astuce pour acheter une marron, bah, je suis preneur parce que je sais pas comment on fait. Hein, franchement, j'ai pas trouvé. Alors, par contre, Léa. Mais est-ce que j'ai un truc pour Léa? J'ai rien du tout en fait pour elle, donc ça sert à rien que j'aille la voir. Si j'ai pas un petit item, donc on va vite abréger cette journée. Qui est pas très, très rentable et très intéressante. J'ai juste récupéré. Ça dégage. Voilà. Attendez, je me mets sur mon bois. Voilà. Je vais récupérer du fer. Je vais lancer un lingot de fer. Il nous faut aussi un quartz raffiné. C'est ça, hein, pour faire le paratonnerre, vu qu'on m'a parlé du paratonnerre. Hein. Ouais, c'est 1-1. Et 5 ailes de chauve-souris. Alors, on va faire ça. On va récupérer aussi les ailes de chauve-souris. Voilà. Le quartz, du coup, je peux le remettre. Impeccable. On peut faire peut-être un petit peu de découpe. Est-ce que c'est le truc qui est prêt? Non. Toi, t'es plus long, c'est bizarre. Alors, il est 21h20. Je fais le ménage chez moi. Tant qu'on a de la stam, on tape de la du bois. Voilà. Ça déblaye bien autour de chez nous. Parfait. Et on va essayer de faire celui-là. Voilà. Tout ça, c'est bon. Impeccable. Allez les loulous, celui-là bien sûr je vais le laisser. Hein. On va récupérer ça, on va aller se coucher. Si je vais quand même lancer deux autres. Voilà, j'ai mon métal.
Enfin, mon quartz raffiné, on va faire un petit comme ça. Et on va ranger nos affaires. Et on est pas mal. Alors, ici, on vient y mettre ça, ça. Voilà. Ici, on va venir mettre donc ça. Ça, je garde. Ça, je garde. J'ai plus de place pour le bois, en fait. C'est embêtant. Voilà. Impec. Et on va dodo. Voilà, une bonne chose de faite. Alors, c'est vrai que ça rapporte, hein. Il n'y a pas photo. La maillot, hein. Pas mal. Pas mal du tout. Alors nos cocottes. Il y en a deux là. Alors attendez, quelles sont celles qui ont déjà été caressées? Voilà. On va récupérer les œufs. Oh, il va falloir que je mette de la paille. Pourquoi je peux pas me... Parfait. Faut que je fasse gaffe à ça. Ici, il faut que je rajoute quelque chose. Toi, tu t'en vas. Voilà. Il faut que je lance les maillots. Très bien. Faudrait que je décale cette machine là aussi. Du coup. Hop, on passe là-dessus. Alors. Parfait. Donc là il y a ça, là il y a ça. On va prendre de l'eau. C'est pas ça que je voulais faire. Super. Ouais, c'est... C'est bien sans être bien, je sais pas, je suis pas... Bon, c'est clair qu'on gagne de la stamina, hein, mais... Je suis pas un fan absolu, en fait, du système, là. Pourquoi devoir appuyer? Il aurait dû faire, quand on clique, on a directement les trois trucs, et puis voilà, on s'embête pas, quoi. Là, faut bien être orienté, sinon on se loupe. Bon, je sais que je chipote, hein, mais... ça me convient pas des masses. Voilà, je tenais à le dire. Je récupère de l'eau. Et je pense que en arrosage, du coup, j'ai rien oublié. Donc là-dessus, on est bon. Les maillots sont prêts, on va les ramasser, hein, comme ça, ce sera fait. Parfait. Et donc du coup, on revend ça et ça. Ah oui, il faut que je lance un nouveau bocal. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre...
Bon, je sais pas, une baie épicée. Je vais en prendre deux d'ailleurs, comme ça si je croise Léa, je peux lui offrir. On va voir si ça marche avec ça. Enfin, c'est des trucs basiques, donc à première vue on peut, hein. Très bien, et puis on va aller en ville. Voir un peu ce qui se passe. Ah, j'ai pas fait mon paratonnerre. Faudra que je le fasse au retour. Je peux déjà le craft, logiquement, par contre. Voilà. Bim. Alors, ensuite, est-ce qu'on a une petite quête ici? Non. Par contre, on va pouvoir aller voir pour acheter les graines de... Je revérifie, hein, que je fasse pas de bêtises. Amarante et citrouille. Alors, l'amarante, elle est là. On va reprendre une dizaine. Et citrouille, par contre, je suis pas sûr que ce soit là. Ah, si. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, on continue. On va aller voir Clint pour lui donner son lingot de fer. Ça, ce sera fait. Oh, on a un petit raisin là. Ah, d'ailleurs, il va falloir que je fasse le point sur les collections automnales du centre communautaire parce que je crois que j'ai rien rempli encore, donc il doit me manquer des trucs. Oh, une larme gelée, ça je crois que ça y va justement au centre communautaire. On va voir ça après. Alors, non, il faut que je te parle ici. Et donc il faut que je sélectionne le lingot de fer. Nickel. Oh, j'ai fait un succès qui s'appelle Gutter. Je n'arrive pas à lire. Et tu as vu, j'ai publié un bulletin. Merci beaucoup. Voici un petit quelque chose pour le dérangement. Qu'est-ce qu'il nous a filé par contre? Des sous peut-être? Je sais plus à combien j'étais. J'ai pas fait gaffe. On peut encore lui parler. Ouais, tu devrais penser à améliorer tes outils, bah c'est ce que je fais mon grand. Hein. Et il s'est affiché un truc à gauche, mais j'ai pas eu le temps de voir. On va aller récupérer ça. Donc 360 pièces d'or, hein, c'est pas négligeable. Et friandise de vache. Ah oui, c'est la fameuse amarante. Ça je peux pas pour l'instant. Alors oui, du coup. La larme gelée. Ah! C'est soit le musée, soit... Bah, on va commencer par le musée. Hein. C'est bizarre parce que il me semblait que je l'avais déjà eu, je l'avais déjà donné, mais à première vue, non. Non, elle y est pas. Ok, on va la donner là, et puis la prochaine qu'on aura, on la donnera au centre communautaire. Alors, faire un don. Voilà, ça c'est fait. Alors justement, le centre communautaire. Pardon. Je veux voir les trucs automnales. Est-ce que c'est ça? Exotique d'automne. Voilà, il me manque en fait le champignon comme ça. Donc le champignon commun. Et j'ai fini la collection. Ce serait embêtant. Bon, on a le temps, hein. C'est pas comme si j'étais pressé de le faire de suite. Mais il faut pas l'oublier en fait. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire qu'à l'automne. Donc ça, c'est l'hiver. On s'en fiche, c'est pas maintenant. Ouais, il faut vraiment que je me focus sur ce champignon, que j'arrive à en trouver un. Alors j'en ai peut-être un si ça tombe dans mes coffres. Hein. J'ai pas pensé à le mettre. Ce serait pas étonnant. En même temps, j'ai pas tous les items du centre communautaire en tête. Hein. Il y en a tellement que... Bah voilà. Alors, Léa, où est-ce qu'elle peut traîner, elle? Je vais aller voir là, mais c'est un peu tôt quand même. Ouais, c'est ça, ici il n'y a personne. Dans le magasin, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Alors ça c'est qui déjà? Elle, il me semble qu'elle est importante, c'est Jodie. Je sais pas si elle est importante, elle. En tout cas, on fait les papotages. Voilà, qu'on peut. Ok. On va aller voir, ouais, à la boutique, tiens, il y a le maire aussi. Ok. Et non,
ça c'est pas elle. Ça c'est Monsieur Elliot. C'est pareil, on fait le papotage avec lui. Bon bah du coup pour l'instant il est quasiment 3 h. Je vais quand même retourner chez moi planter mes graines. Léa, j'ai vraiment du mal. Hein, là. Vous m'avez donné hein, où est-ce qu'on peut la trouver régulièrement, machin, tout ça, mais... j'ai pas forcément retenu. Le seul truc que j'ai retenu, c'est qu'elle est souvent à la taverne. Alors, en général, on peut la trouver à la taverne le soir. En fin d'après-midi, début de soirée. Alors, on va planter ça là. Du coup, je prends ma petite pêche. Elle est où? Elle est là. Et on va commencer à faire nos... Notre trou. Vas-y, creuse. Ok, je viens de percuter là-dessus aussi. Vas-y, tape. C'est quand même bien plus pratique aussi. Ensuite, on passe sur nos petites graines. Voilà. Hop. Je vais pas pouvoir tout mettre là. Il m'en manque deux. Je vais les mettre ici. Il faut juste que je reprenne ça. Voilà. Ensuite ici. Et après, il nous reste plus qu'à arroser, hein, clairement. Voilà. Ouais, d'accord. Et le petit dernier ici. Et ben voilà. Là on est bien. On recharge notre petit arrosoir. On va retourner en ville. En même temps que je retourne en ville, est-ce que j'ai ce fameux champignon qui manquerait? Apparemment non. J'ai ça, je vais le garder. Je vais garder le raisin argenté. Ça peut toujours faire un bocal. Faut que je place mon paratonnerre aussi. Ça là et ça là. Est-ce que je referai pas si je vais faire un lingot de fer? Voilà. Et on repart en ville. Allez, c'est parti. Et j'ai pas posé mon paratonnerre. C'est pas grave, on le posera au retour. On va y arriver. De toute façon, il n'y a pas d'orage aujourd'hui. Donc ça va. Là, je vais juste voir s'il y a moyen de croiser Léa. Histoire de lui faire son petit cadeau. Mais pas du tout, elle est pas là. Bon. Toi là. Tu fais toujours la tronche. Comme d'hab. On va te parler aussi. Ok, elle en avait des trucs à dire. Et du coup, Léa, je l'aurais pas croisé une fois de plus. Est-ce que je peux rentrer chez elle? Vu qu'on a deux cœurs, je suis pas convaincu, mais on va regarder. Ça pourrait peut-être nous aider hein, de pouvoir rentrer chez elle. Il est un peu tard, mais la porte est verrouillée. Et ben voilà. Et ben voilà. Mais vas-y, je veux te parler. Allô. Merci. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Hein. On peut pas la croiser. On peut pas la croiser. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Allez, on va aller dodo. Voilà, on va aller défoncer notre stam sur nos arbres. Déblayer, continuer de déblayer notre terrain. Placer ce paratonnerre, parce que depuis tout à l'heure, je dis que je dois le mettre, je ne mets jamais. On va le faire. Alors.
là. Toi, je te récupère. On va relancer un. Ah, bon, ici on a de la sève. Impec. Voilà. Ici on va faire ça. Est-ce que je suis allé voir dans la grotte? J'ai un doute. De toute façon, il n'y a rien. Et les chauves-souris sont en grève. C'est d'actualité en même temps, hein, donc. Voilà, il y a celui-ci à casser. Il y a ça, ça. Parfait. On va taper celui-là. Il y a des trucs qui nous gênent, mince. Parfait. Taper aussi celui-ci. Voilà. Parfait. Eh bien, on n'est pas trop mal. Du coup, on va lancer vite fait. Hop. Du charbon. On va même pouvoir relancer un dernier lingot. Et on va aller dodo. Je crois que j'ai rien à vendre. Non. Ah, par contre, je vais peut-être pouvoir faire un casse-croûte. J'ai eu, miracle, une pomme de pin. C'est incroyable. Du coup, le casse-croûte, je crois que c'est comme ça, hein. Il faut les trois ingrédients. C'est ça. Ok. C'est la pomme de pin qu'on n'a pas souvent hein, pour pouvoir en faire. Du coup, ça c'est de la pierre, ça va de l'autre côté. Parfait, les lingots de fer. La résine de chêne, je vais mettre ça là pour l'instant. Non, je vais la mettre de l'autre côté. Ça, on va le mettre là. Je manque de place, hein, clairement. Je vais mettre ça là, mais c'est pas logique. Non, ça me plaît pas. Je vais prendre les trucs comme ça. Voilà. Je vais les mettre de l'autre côté. Après tout, c'est de la sève. On est bon. Et on va pouvoir aller dodo. Voilà. Une autre bonne journée de terminer. On a fait. Ouais, on a fait. On a fait de l'argent grâce au bocal et au maillot. Hein, c'est tout. Mais du coup. Rentabilise un peu nos achats de graines. Donc on est reparti. Allez, on récupère ça. Juste aller vite caresser celle dehors. Voilà, comme ça les quatre sont caressées. Elles ont de la paille. Alors, du coup, avant de lancer ici, je récupère ça. Je vais te replacer ici, toi. Voilà. Tac. On a un petit courrier. Alors, Soma, j'ai entendu dire que vous donniez un coup de main à certaines personnes au village. Tout le monde semble vraiment reconnaissant. Je vous décerne le prix meilleur voisin du mois, ainsi qu'un peu d'argent en récompense. Continuez comme ça, le maire. 500 pièces d'or. Ah bah merci. Merci, monsieur le maire. C'est un plaisir, hein, comme on dit. Alors là, je peux récolter deux petites bricoles. J'ai eu des choux chinois. Incroyable. Qu'on pourra peut-être lancer en bocal. Ah, je vais pouvoir récupérer ceci. Ah, il me faut la faux. Pour sélectionner ça. Ok, j'ai 9 blés. Il m'en manque juste un. Il m'en fallait 10 pour le... C'est une blague monumentale. Il m'en fallait 10 pour le centre communautaire. Si je me rappelle bien. Le jeu me troll. Clairement, hein. Alors, en même temps, j'ai eu un or, deux argent et six normaux. Donc,
Et est-ce que j'en ai en stock? Ça, je sais pas, par contre. Ah ouais, j'en ai 9 normaux. Super. Il m'en manque un, quoi. Génial. Et j'ai de la paille aussi sur moi. Alors, attendez, les loulous. Centre communautaire. Ça aussi, il faut que j'y pense. Hein. Il me faut un maïs, une aubergine, une citrouille et un ignam. Et ça, j'ai pas fait. Du tout. Alors, je dois avoir des aubergines et des citrouilles qui poussent. Ça, y a pas de souci. Par contre, pour... Ah, le maïs, je dois bien... Bah, j'en ai du maïs. Il faut juste que je le prenne, en fait, triple buse. Maïs, j'en ai 50 000 du maïs, là. Pas d'aubergine, pas d'igname. Alors, igname, je sais pas si j'en ai planté, par contre. Et au centre communautaire, je sais pas si on peut mélanger les différentes qualités pour arriver au cumul de ce qu'on nous demande. J'en ai pas la moindre idée. Et est-ce que ma paille, là, je peux la mettre dans le silo, là? Parce qu'elle me sert pas, logiquement, la paille. Quand on va par là... Aquarium, non. Chaufferie, non. Si, peut-être chaufferie. Les ailes de chauve-souris aussi, je pourrais prendre. Il en faut 10. Je sais pas si j'en ai 10 avec ce que j'ai utilisé pour le paratonnerre. Si, j'en ai 10. Donc ça, on peut l'amener aussi au centre communautaire. Et j'y reviens, du coup. Panneau d'affichage. Je les ai déjà mis, il me manque les 10 blés. Et ici, en fait, il me faut une résine de chêne. Donc ma résine de chêne, il faut que je la prenne et que je l'amène aussi au centre communautaire. D'accord. J'ai plein de trucs à aller déposer, du coup. Et je vais quand même tenter de prendre un comme ça, au cas où on puisse les cumuler. Et goudron de pin, est-ce qu'il me le faudrait pas non plus, ça? Non, je crois pas, non. Très bien. Ah, attendez, parce que maintenant, il faut que j'arrose tout mon jardin. C'est long à faire, tout ça. Là, ensuite, on fait ceci. Ça. Ça. Ok. On est bon. Là, un petit coup là. C'est pas ça que je voulais faire, hein, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi il se tourne comme ça? Je le mets vers le haut, il se tourne vers... Ah, ça me saoule. Hein? On va reprendre de l'eau, parce que j'en aurais clairement pas assez. Alors c'est clair que les arrosoirs, ça doit faire vraiment le taf, hein, parce que tout faire à la main, c'est vraiment pénible. Je sais pas si j'ai des trucs à planter ici, mais bon. Dans le doute... Hein. Des trucs à arroser, je veux dire. Et les barrières, on voit pas en fait. Ok, ça c'est bon. On peut ramasser les maillots. On passe un temps en fait le matin à faire les choses à la ferme. C'est hallucinant. Et je suis sûr que j'oublie des trucs là en plus. Genre. Ça là, est-ce que je peux le mettre là-dedans? Oui. On est à combien dans le silo? 240 sur 240, bah je peux pas faire plus. Du coup, j'ai caressé mes cocottes. On va aller au centre communautaire.
Je vais vérifier aussi, je vais prendre, dans le doute, hein, j'ai acheté une graine d'igname et une graine de... Et juste une graine d'igname en fait. Aubergine, citrouille et maïs, c'est bon. Juste attendre que ça pousse et que je puisse les récolter. Il y a trop de trucs, hein, trop de trucs à faire sur ce jeu, c'est la folie. Sorcier local à la recherche de rubis. Je vais la prendre, mais je crois pas que j'ai des rubis, mais je vérifierai à la maison. On va te parler aussi. Ok, elle veut plus. On va aller direct au centre communautaire. Ah non. Non, 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 non. Avant que j'oublie. L'achat de la graine. Oui, oui, oui. Alors, igname. Voilà. Toi, je te veux. J'en ai peut-être planté, hein, mais dans le doute, je pourrais faire vraiment... être sûr de mon coup. Je veux pas louper les trucs communautaires en rapport avec les saisons, c'est entre guillemets les plus simples à faire. Hein, donc, alors panneau d'affichage, j'en avais à mettre. Alors, là non. Voilà, j'avais celui-ci. J'avais donc. Est-ce que je peux faire ça? Ah non, je peux pas. Hein. Ah, ça c'est la loose, il me manque juste un blé. Faut que je rachète du blé du coup. Ok, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Très bien. Là, en bas. Alors, je me rappelle jamais. Ici, c'est l'argent. Donc, non. Ensuite, ici. Les ailes de chauve-souris. Et il me faudrait 99 slim. Il faudrait que je vérifie si je les ai pas non plus. Parce que ça tombe, je peux finir la collection. C'est pas sûr, mais on en a tué tellement des slims depuis le début. C'est ce qu'on tue le plus, hein, en fait. Donc ensuite, on va voir là. Donc, bah, automne. Donc, j'ai mon petit maïs pour l'instant. Et puis c'est tout. Abricot, grenade. Ça j'ai pas, hein, clairement. Œuf de canard j'aurais pas. Œuf marron, j'aurais... un gros œuf, mais comme ça j'aurais pas. Très bien. Et ici, je vérifie une dernière fois, hein, vu que je suis sur place. Il me faudra une autre résine de chêne. Le goudron de pain, il me le faut bien. Donc ben voilà. Il faudra que je le récupère sur moi. Tout un tas de champignons aussi. Et il me manque vraiment ce champignon commun. Champignon commun, à mon avis, c'est en plus, c'est à ramasser dans la nature. Hein. Faut juste que je tombe dessus, tout bêtement. Ah ouais, est-ce que je pourrais le trouver, ce champignon, justement? Ce serait intéressant de l'avoir rapidement. Il y a des endroits où on envoie des champignons, mais on n'a pas accès, en fait. Je crois que c'est par là-haut, justement. Ah bah, ici, il y a du raisin. Alors ce serait plus en forêt, hein. Ce serait la logique même. Il faudrait peut-être que j'aille par chez moi, côté gauche, vers le bas. Peut-être être une bonne idée. Parce que vous voyez là, des champignons, il y en a, hein, mais je sais pas comment on vient là-haut en fait. Quand on est sur la map, je sais pas du tout comment on va dans cette partie de la map en fait. Ici là. Je le vois pas du tout. Il n'y a pas l'air d'avoir d'accès. À moins de passer là, est-ce qu'on peut remonter là ensuite? Bonne question ça. J'ai pas l'impression. Hein. Allez, là, il y a encore des champignons, hein, mais on peut pas les péter les barrières, hein, on est d'accord. Là, du champi, il y en a, mais tout ça, on peut pas le contourner, quoi. Je vois pas, j'ai pas d'idée. Là, qu'est-ce qu'on a? Une prune sauvage. On passe pas non plus. Ah, c'est une bonne question. Hein. Et là, on est chez nous.
Ok, alors ce qu'on peut faire par contre, c'est aller voir là, par le bas là. Voilà, attendez, parce que pour trouver le chemin aussi, il y a tellement de bordel là chez nous. Laisse-moi passer, toi. On pourrait faire du bois. Ah non, celui-là, je peux pas. Un tel foutoir ici. Alors ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en trouver un petit champi? La marchande à la roulotte, hein. L'accès qui est bloqué là-haut, on peut pas le débloquer parce que c'est une souche où il faudra que j'ai la hache de niveau supérieur. Là, je passe pas. Je pense qu'on l'a dans l'os en fait, hein, pour l'instant. On l'a. Ah, bah le voilà. Ok. Bon, c'est bon, on en a trouvé ici. Bon, j'aurais plus qu'à les ramener au centre communautaire. Très bien, je vais pas aller chercher plus loin. Du coup, c'est dommage que j'ai pas une autre petite résine. Et je vais récupérer aussi l'autre item qu'il me faut garder sur moi pour la prochaine fois. Il y en a encore un là, de champignons. Voilà, donc mon intuition était bonne. On a la possibilité d'en avoir ici. C'est cool, ça va. Allez, on va remonter là-haut. Alors, ici c'est pas prêt, je vérifie quand même les trucs de pain, mais non. Ah, ça aura été un épisode tranquillou, hein, vraiment. Donc il me faut ça. Voilà. Bah toi tu vas rester ici, toi tu peux aller là, la graine il faut que je la plante. Du coup, bah le blé je le remets. Les prunes comme ça, je pourrais peut-être m'en servir pour le bocal. Là je peux garder celle-là, ça je pense que je vais revendre. Bah, ça je garde pour le bocal. J'ai ma graine ici à planter, c'est vrai. D'igname. Les champignons, je sais pas encore ce que je vais en faire. Ça, toi, je te mets là. Le bois. Maïs, il m'en manque. Blé, pardon, il m'en manque un. Ah, j'ai pas acheté ma graine de blé supplémentaire. Mince. Il faudra absolument qu'au prochain épisode, j'y pense. Ça, c'est pas gagné, ça. C'est pas gagné du tout. Donc, j'ai deux graines à planter. On va commencer par ça. Alors, j'ai toi. Je peux mettre à la rigueur. Je vais les mettre ici. D'abord, il faut que je bêche. On va faire ça. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Pourquoi ça ne marche pas? C'est déjà bêché en fait, peut-être. Tout simplement. C'est ça. C'est ça en fait l'idée. C'est que c'était déjà bêché. Mais ça va bien, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est bon. Le lingot de fer, je sais pas pourquoi je le garde avec moi. Au niveau des quêtes, je dois faire. Ah oui, un rubis. Est-ce que j'ai un rubis? Je ne pense pas. Je pense que j'en ai trouvé un, mais il a atterri au musée. Et je pense pas en avoir un autre. J'ai de la topaze, de l'améthyste. Non, j'ai clairement pas de rubis. Eh ben tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Le raisin normal, on va le vendre. Les champignons normaux, on va les vendre aussi. Enfin, en tout cas, je vais en vendre un. Je te vends aussi, voilà. J'en garde un sur moi. Et puis, bah, les loulous, je pense qu'on en a terminé. On va s'arrêter là. Donc, moi, j'espère que cet épisode de Stardew Valley vous aura plu. J'ai essayé de tenir compte de vos conseils, hein. En tout cas, des plus nombreux que j'avais pu avoir. Je vous remercie d'ailleurs, hein, pour ça.
puis bah du coup moi je vais vous dire à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.